On va rajouter, tu sais quoi, sur une notion d'urgence. C'est comme si c'était vraiment très urgent ce que tu étais en train de dire. Eux, ils n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Mais c'est hyper grave. D'accord? Faut vraiment qu'ils en comptent ce que tu as à dire parce que c'est hyper urgent. Vas-y, pousse la voix. Écoutez, il faut rester unis. J'essaie de vous aider là. Il faut maintenir un certain ordre. Oui, c'est très bien. Bon, alors là, vous venez de faire un atelier avec une personne du Zeppelin. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier. Ça nous a permis un peu de nous exprimer et bah justement, on est un peu moins timide. Même si vous parlez à plein de gens, essayez de penser que ce tas de gens, c'est plein de, une seule personne, c'est plein d'individus. Et qu'en fait, plus vous allez essayer de vous adresser et de pêcher un individu à la fois, plus vous allez arriver à vous adresser à toute la masse. Et toi, Nina, qu'est-ce qu'on a pensé de cet atelier? Je trouvais ça bien, comme ça on peut s'exprimer et comme ça on est plus à l'aise devant les autres. Salut, ça va? Tu fais quoi? Tu veux qu'on y aille ensemble? Oui ou non? Ça va? Tu fais quoi? Tu veux qu'on y aille ensemble? Oui ou non? Vous avez fait quoi comme type d'exercice pour travailler la voix? Bah, pour commencer, on a fait une phrase en chœur, et puis après, on a travaillé le déplacement pour capter l'attention des gens. Et ensuite, on a parlé encore, on était à trois personnes, on avait chacun un mot, et on devait inventer et pas se faire doubler la voix par l'autre. Et ça, c'était un peu compliqué personnellement pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet atelier? Ça peut t'apporter quelque chose? Oui, c'est plus facile quand on est habitué, genre quand on reste plus longtemps avec eux. Donc c'est plus facile une fois qu'on est à l'aise avec la personne avec qui on est, quoi. C'est ça pour prendre la parole? Oui. Et on monte, et à la fin, ça va exploser. Vas-y! Bon, si ce serait possible d'avoir un peu de sérieux 2 minutes. Je suis à ça de me barrer. Je suis fatiguée, vous me faites mal à la tête. Et moi, je me suis pas bonne. Bon, si c'est possible d'avoir un peu de sérieux 2 minutes. Je suis à ça de me barrer. Je suis fatiguée, vous me faites mal à la tête. Et moi, je me suis pas bonne. Moi, je suis allée au Zeppelin personnellement. Et c'était bien car déjà, on était dans une salle fait exprès pour. Et que du coup, ça nous a permis de bien travailler. Et je trouve aussi que c'était bien parce que certaines personnes ont pris confiance en soi. Et je trouve ça très bien. Bon, si c'est possible d'avoir un peu de sérieux 2 minutes. Oui. Je suis à ça de me barrer là. Oui. Je suis fatiguée, vous me faites mal à la tête. Et sinon, moi, je vais super mal. C'est parti. Bon, si c'est possible d'avoir un peu de sérieux 2 minutes. Je suis à ça de me barrer là. Je suis fatiguée, vous me faites mal à la tête. Moi, je suis super mal.